un jour spécial, côté que vous connaissez, je dis, c'est 8 mars, côté vous baptisez jour ça, Journée internationale des femmes. C'est comme ça que les joies. Et vous relève tout, Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui nous font ce qui est sujet et que nous avons gagné pour nous capables de rentrer, pour nous capables de parler de jouer ça. Mais nous pour des sujets ça pour nous, ouais. Et l'importance, nous avons gagné en dedans foyer et puis en dedans société. C'est là notre chute après-midi. Pour nous, ouais, dans un jour spécial, ça, qui est l'importance de la femme dans le foyer? Qui est l'importance de la femme dans tout dans la société? Alors, le nom de société, nous ne parlons pas seulement de la société haïtienne, non, mais donc, dans la société, peut-être nous devons avoir une raison ou l'autre, nous devons arriver peut-être. Nous devons faire quelque chose qui va être exactement sur Haïti, mais qui est l'importance de la femme dans le foyer même? Non, foyer. Alors, faut nous dire tout, Sœur Renée et Pasteur Wilson, que la femme, à une époque donnée, était considérée deux rôles de la femme. Premier rôle, là, on dit que là pour le marier, deuxièmement pour le faire petit. C'était ça qui était considéré dans l'époque, capable de dire, très, très ancienne. L'époque très ancienne, c'est pour ça qu'elle était considérée femme nan, même avant Jésus-Christ, mais avant Jésus-Christ, elle était considérée femme nan comme le monde qui l'a existé pour le plaisir de l'homme, et puis qui l'a pour capable faire petite, et puis qui l'a pour occuper petite. C'est comme ça qu'elle était. Mais avec le temps, dans la société actuelle, là, ça a été capable de la société moderne, elle a évolué, femme n'a pas seulement. Il n'y a pas seulement un rôle, être dans le foyer, faire petite, et puis occuper petite, occuper des tâches ménagères. Non, ça n'a pas arrêté là encore. Au contraire, famille, nous voyons bien, ils ont évolué dans une dimension vraiment extraordinaire. Ils portent tout et ils font valeur. Et nous ne pouvons pas dire ça pour faire vantage. Depuis dans institution, comme femme, qu'à la tête, vous mettez sur que c'est sur ça, il y a plus de possibilités pour le marché très bien. Parce que ça ne veut pas dire que les garçons ne pas marcher très bien. Mais pour montrer que comment la femme oui, était considérée là. Et comment tu considérée la femme dans le temps, et je dis à comment tu considérée. Et j'aime considérer la femme, je dis à, eh bien, l'extrêmement paraîtrait comme un élément qui a pile valeur dans la société. Et c'est ça qui fait que. Ils étaient réunis à une époque donnée, mais ils étaient réunis dans une époque donnée, c'est en 1929, ils étaient fait en première journée, et selon l'histoire, la première journée internationale des femmes. Pourquoi ça a été fait? Ils étaient fait journée, ça s'est réunie, c'est pour être capable de défendre droits que vous devez gagner dans la société. C'est plutôt en 1911 qu'ils étaient fait première. Et c'est pour 1911. Ok, 1911, côté que vous a lutté pour que vous capable de gagner un droit dans la société. Pourquoi vous avez non seulement un droit par voiture, égalité, tout, égalité que vous devez gagner parce que vous avez travail. Voilà, droit pour le travail, droit pour faire tout le série de bagages, etc. C'est ça que vous parlez également de l'émancipation de la femme. Oui, exactement. L'émancipation de la femme, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Bon, c'est ça que. Alors, bien entendu, c'est ça qui est bon. Alors, on a une idée historique avant de rentrer dans le sujet que nous avons parlé, je veux dire, que nous déjà censé rentrer là-dedans. Donc, c'est ça en autre partie. Mais je veux dire. Mais on était parlé de la première journée qui était gagnée, mais nous, m'a fait suivre avec ce dire pour nous dire que le premier pays qui était officialisé, c'était la Russie en 1921. Okay. Qui était officialisé. Il était fait premier junior, c'est vrai, mais il pas vraiment officiel. Il était officialisé en 1921. Côté que tu fait jour ça, un jour férié, un jour férié, mais il n'y a pas chômé.
en février, mais non chômé. Ok. Ok? Et puis c'est finalement en 1977 que les Nations Unies lui-même va l'officialiser. Oui. Donc, c'était une fête suite avec son question, mais continuez à ça. Oui. Donc, je dis, et dans la société actuelle, là, nous sommes capables de dire qui est la femme en réalité dans la foyer. Qui est la femme en réalité dans la société. Eh bien, nous démarrons avec la femme dans le foyer. Donc, dans le foyer, je dis, une femme n'est pas seulement, une femme pas mariée avec objectif seulement pour le faire petit, et pour lui donner un cas pour l'occuper petit, mais je dis, une femme, elle a évolué de manière extraordinaire, elle dans tout domaine, c'est pas seulement elle dans la femme dans tout domaine. Donc, maintenant, on a gardé foyer, on a été dans le foyer actuellement. Donc, nous, dans le foyer, mesdames, nous jouons un rôle extrêmement important. Ils n'ont pas quelques valeurs. Et c'est ça qui nous pose une question. Si pas de la femme, comment un garçon a fait? Comment un garçon a fait vivre dans le monde sans femme? Comment, pour moi, selon l'imagination, selon ce que je comprends, il est impossible. Et c'est ça que fait Dieu dit. Il est tellement impossible, mais Dieu dit dans ma bouche. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est parce que Dieu, ouais, c'est un bon mal établi pour un garçon d'avril. Comme ça, sans pas la femme. Et si pas de la femme, tout, comme on t'a fait publier. Comment on t'a fait publier, parce que nous n'avons pas publier. Parce que c'est la femme. Il n'y aura pas de la vie. Oui, pas de la vie. Nous mettons ça clair, sans la femme, pas de la vie. Donc, femme dans notre foyer, non seulement. Il a voulu prendre son mari. Ah, parce que le blanc dit les deux deviennent une seule chair. Et puis il dit la femme est une aide. Donc c'est-à-dire qu'il est là pour prendre soin de mari. Et si bon Dieu bénit foyer avec les enfants, il est là pour prendre soin de Timonio. Il est là pour faire éducation de Timonio. Il est là pour marier, même t'as sur la porte, marier, t'as supposé aller travailler. Venez avec moi et puis madame prend soin ni madame ni prend soin madame prend soin ni mari ni petit mais avec l'évolution temps mesdames yo yo lève pied yo yo même tout non seulement yo bon rôle y'a besoin de femme en Dakar là mais yo sorti tout y'a le travail au contraire dans les derniers temps ça qui n'a plus là gars garçon puis retourne dans Dakar faire mal travail on va continuer ça gars femme. C'est yo qui travaille dans son travail. C'est contrairement, opposé à la parole de Dieu. Opposé à la parole de Dieu, nettement de l'évolution de temps, vient faire que vous mettez les bagages tête en bas, mais comme de tout, garçon sérieux, garçon qui gagne une dignité, et bien pas prêt dans le cas où il cherche moyen pour le travail selon la volonté de Dieu pour le procurer maison de chaque lui. Oui, parce qu'avant tout, il est chef. Oui, c'est chef. Nous avons agencé dans le même sens ensemble avec Pasteur Ali. Mais juste avant que moi je mette opinion femme, en ce qui a trait avec le rôle de la femme, que ce soit dans la société, dans la famille, moi je voulais partager une pensée toute spéciale avec toute femme qui a coûté nous dans le moment ça. Et dans mon friseur, il nous peut nous tendre. Je veux dire à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment, à toutes les femmes courageuses, à toutes les femmes laborieuses, à toutes les femmes qui se sacrifient pour prendre soin de ses enfants, à toutes les femmes qui souffrent quotidiennement et qui ne connaissent pas un instant de joie et de bonheur, wow. Je veux leur dire, n'abandonne pas. Si dans le combat le destin t'abat, si tout ton chemin est une pente, si ton sourire est soif insatisfaisante, s'il y a constamment travail continuel et vile récolte, si au cours de ton fleuve s'opposent des barrages, fais une halte, n'abandonne pas. Alors, à toutes les femmes qui écoutent nous, ça peut arriver que les circonstances de la vie absécouent nous. Mais moi, je voulais dire, dans une journée spéciale, ça, n'abandonnez pas. Disons, continuez à avancer, continuez à prendre soin de foyer, continuez à faire éducation petite, parce que ces tâches, ces responsabilités, bon Dieu, bon nous.
Mais merci parce que puisque moi qui l'amour comme vous mesdames. Non, la représente mesdames là. Oui, merci, un grand merci. D'accord, c'est oui. En ce qui a trait avec la responsabilité de l'homme ou bien de la femme, il y a deux courants d'idées qui émettent à ce sujet. Il y a un courant égalitarisme et il y a un courant complémentarisme. Comment nous allons expliquer deux de courants ça pour égalitarisme, il fait connaître que l'homme et la femme, genre, parce que Harry Tapera dans la société primitive, là, il ne dit pas de gagner de différence. Sa femme n'a pas qu'à faire, les blancs qu'à faire, disons, non égal, pas guère la différence. Seulement, Fian, il doit soumettre avec Marie. Il doit soumettre avec Marie. Là, il a accepté que il est égal. C'est un courant d'idées qui porte non l'égalitarisme. Bon, l'autre courant d'idées qui émet, il dit non, Fian avec garçon, pas jamais qu'à égal. Il pas jamais qu'à égal. Yo fait qu'on est que oui nous égal devant Dieu étant que personne du point de vue salutaire parce que garçon pas plus sauvé que madame que fille ni fille pas plus sauvé que nègre. En fait yo fait qu'on est que tout simplement bon Dieu confie nous des rôles différents là yo d'accord que fille les compléter garçon et c'est ça le courant d'idée c'est le complémentarisme. Alors, complémentaire, c'est compléter une chose de même nature pour la rendre complète. C'est que là, je fais une connaissance que premier courant, c'est ça, je vous dis, en pile, femme, mesdames, vous apprenez, c'est juste pour être capable égal avec monsieur. Mais ce n'est pas ça la Bible, livrée en soi. Ce n'est pas comme ça, bon Dieu, le livre. Alors, lorsque bon Dieu t'a constaté la solitude d'Adam, il t'a dit, je lui ferai une aide semblable. Et donc, finir, c'est vrai, non pas ignorer ensemble de responsabilités, mon Dieu Bali, qui sont de rôle qu'il est capable de jouer dans le foyer, hein, mais par contre, en ce qui a trait, parce que je vous dis, hein, qui c'est 8 mars 2020, les termes y auraient tenu. Pour journée internationale des femmes, non, c'est je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Alors, en ce sens, moi crois que nous devons faire une précision pour auditeurs nous qui écoutent nous, disons, entre la nature et la fonction. En ce qui a trait avec la nature et la nature de l'homme et la nature de la femme, eh bien, nous avons la même nature. Mais en ce qui a trait avec fonction, eh bien, nous avons des fonctions différentes. Et c'est là, Marchita, vous me dites que tout autant que nous avons des fonctions différentes, eh bien, nous n'avons pas besoin de mettre dans l'esprit que nous sommes capables égal avec l'homme. Alors, veuillez m'excuser, sœur Rémi, c'est ça, Bible dit, et je sais, c'est ça, c'est là, c'est pas sans façon ça, nous-mêmes nous abondé également. Parce que, mesdames, il y a cherché, moi je peux dire, quelque chose qui paraît vraiment, vraiment difficile, voire impossible pour que yo égal. Pour que yo égal, de par leur fonction. Je ne vais pas dire, je dis rien. De par de leur nature, oui, mais de par nos fonctionnons, non. Oui, et bien, Pasteur Wilson, puisque vous avez pointé du doigt directement, donc je vais répondre, je vais replacer mon femme. Nous, oui, et quelques bagailles dans l'émission, ça déjà, le nom a étudié femme déjà en deux fois, nous, oui, quelques bagailles. Nous, oui, et tout ça, déjà, bien que je dis, nous sommes obligés de retourner avec par rapport à la date. Mais nous, oui, tout ça, déjà. Moi, je n'ai même pas d'idée avec vous. Donc, c'est ça que vous pouvez répondre, vous capable de dire. Moi, je n'ai pas le contraire avec vous. Donc, je n'ai pas même besoin de m'excuser parce que, sordien, c'est normal. D'ailleurs, je suis capable de gagner dans le capital de l'émission là, ou bien parler sur YouTube, qui va avoir des problèmes avec vous. Mais, nous, pas le choix, nous sommes obligés d'accepter. Parce que
besoin égalité. Égalité, exactement, égalité, mesdames et messieurs. J'aime vraiment ça. Et nous, complément de yon lot. Mais égalité, mesdames et messieurs, on nous lit 1 Corinthiens, ça que nous avons dit, nous avons fait lecture, hein? Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et bon, l'hiver, c'est ça pour tout le monde qui a attendu, spécialement pour mesdames. Il dit, en effet, bon, commencer, dans verset 7, là, plutôt. Il dit, puis, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, donc ça n'est pas ça nos besoins. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Il dit, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Verset 8 dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mes amis, mesdames, en nous comprenant bien, ou fait pour gloire au monde, ou fait à cause de monde, ou yon retire en d'un monde encore. Donc, moi, comme si moi son lutte, comme si c'est son lutte pour nous m'appelle perdu d'avance. Ça veut dire, si c'est ton bagage qui t'est sorti comme si tu étais humainement parlant, nous et mesdames étaient capables finalement d'atteindre objectif. Mais puisque c'est pas un bagage, son bagage dit 20 que l'y est. Donc c'est comme ça le fait, c'est retirer. Nous sommes grêles quoi qui fait nous sortir dans l'homme, nous fait pour gloire l'homme. Nous créer à cause de lui-même. Bon, mes amis, comment on peut faire? Ouais. Bah, comment nous égaliser ça? C'est normal, il y a des droits que les femmes nous réclament, ce qui c'est normal. Par exemple, droit à côté que les garçons qu'on voulait exercer et bah, matcher sur la sous mesdames, à côté que. Il y a subi discrimination, même en deux fois, il y a discriminé, il y a fait un série de bagailles, et dans le travail même, c'est même bagaille, il y a fait un série de bagailles qui n'est pas bon, mesdames, après quand il y a des droits, mesdames, après quand il y a des normal. Par exemple, droit de vote, sans forme bien, quand on vote, même avec tout le monde. Par exemple, droit à la santé, même avec tout le monde. Droit. Pour son politique. Exactement. Pour abriger des postes. Oui. Mais vouloir, comme si, dans le sens égalité, mesdames, chéchères, c'est dans le sens où tu as parlé tout à l'heure, comme premier, ou tu es en premier, ou deuxième. C'est égalitarisme. Oui, égalitarisme, oh mon Dieu, nous sommes en combat perdu d'avance, mesdames. Et les femmes nous vont comme si bagage. Sur le plan biologique, pas d'égalité. Oui, le bon et sur le plan biologique, pas d'égalité. Et sur le plan positionnel, pas d'égalité. Non. Oui, même Dieu qui t'a placé, Marie, oui. Dit l'homme est le chef. Bon, côté nous, égalité. Comme si nous avons c'est comme si nous avons une bonne mesdames qui crampait à gommer contre bon Dieu. Ça me semble. Parce que, bagaille, son combat perdu d'avance, Dieu dit. Mais comment ça doit y être? Dieu dit, mais comment? Et puis c'est fini, c'est tout. Même si vous mettez depuis aujourd'hui, vous mettez demain, oui, il y a des bagages qui sont normal, il y a des droits qui réclament qui sont normal, il y a des droits, mesdames, continuez à vous mettre parce que vous avez des droits qui sont accordés à des femmes dans tel pays, deux pays ne sont pas accordés avec vous. Parce que jusqu'à maintenant, ouais, mesdames, vous conseillez de droits que vous prenez, vous gagnez. Jusqu'à maintenant, vous êtes de pays pour que même conduit, fille n'a pas gagné droit conduit. C'est Marie qui vous conduit. Fille n'a pas gagné droit comme si prenait la parole jusqu'à maintenant. Hein? Et monde pas gagné droit ou figure. Oui, jusqu'à maintenant. Monde ça, il a battu jusqu'aux os. Si on le garçon ta figure. Comme si vous conseil de bagarre de droit, mesdames, vous cherchez à vous revendiquer. Yo nan droit, c'est normal, mais comme ça tout,
yo di ekselant ou nui. Gen bagay yo bezwen aten, ki yo pa jèm ka aten ni poske se de chòz divin ke yo ye. Se de chòz divin ke yo pa kapab jwenn vre. Jusqu'à présent gen de peyi ki konsidere la fam kom yon chòz. Oui, c'est ça. Oui. Et qui n'est au contraire avec la volonté de Dieu. La oui. femme, c'est la créature de Dieu. De même que l'homme. C'est la créature de Dieu. Donc, la femme, pas oublier que la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Et gen yon nan rôle de, parce que si n'a pas un rôle de, yon après yon. N'a pas yon nan rôle de la femme, gen, par rapport à l'homme. C'est la soumission. La Bible parlait de la soumission de la femme. Mais soumission est de fait selon le Seigneur. Donc, si on n'a pas d'égalité de l'homme et de la femme, eh bien, dans le contexte que nous avons parlé là, c'est comme si nous opposions à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Donc, si on a parlé de chercher moyen pour nous parler d'égalité, il y a quelques domaines nous avons parlé. Mais dans le sens général, nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas parlé. Et je m'appelle verset qui a compris en ce soutien là. Et c'est un. Et alors, Éphésiens chapitre 5, verset 22, c'est là où on a commencé. Il dit femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, verset 23, il dit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, je suis dit, pasteur, le Seigneur baille, mais position par femme, ça nous est fait. Par rapport avec monsieur, hein? Et vous après avoir pris Babdou, mari, aimez vos femmes. Donc oui, pasteur. Oui, nous voulons aller pour nous dire que si j'en dis, hein, nous voulons parler de rôle femme peu importe dans la société ou dans la famille ou au foyer, nous ne pas capables de passer outre le proverbe 31. Parce que proverbe 31 va le présenter. Une femme vertueuse. Et pendant que le pral présente une femme vertueuse, le pral a un ensemble de caractères, un ensemble de rôles que Fissa lui doit jouer, que ce soit à l'intérieur de foyer ou bien à l'extérieur. Parce que il y a un piège que femme chrétienne, yo. Alors nous faisons une approche biblique, il y a un piège que femmes chrétiennes prennent le plus souvent. Ils pensent que ils ont vivre seulement pour plaire avec mari, pour plaire avec famille. Tandis que la Bible, dans Tite chapitre 2, lorsqu'on applique à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, eh bien, il fait connaître que les gens qui ont plus d'expérience dans le mariage, ceux qui sont mariés avant, ceux qui ont maturité, ils doivent garantir une stabilité avec les jeunes couples, qui donc ils doivent être un modèle. Et si nous arrêtons maintenant dans Proverbe 31, pour qui présentait un exemple idéal de l'épouse-mère, eh bien, nous sommes capables d'apprendre plusieurs choses sur le rôle. Femme là en deux foyer. Et si nous t'a permis de citer quelques, elle est digne de confiance. Selon Proverbe chapitre 31, verset 23. Deuxièmement, elle est honorable. Cela révèle la solidité de leur relation. Par le fait que Marie a loué, l'a fait louange pour lui. À féliciter, eh bien, ça a montré que la relation est solide. Et avant moi, de plus loin, serviteur, je pense que la femme, dans le Proverbe 31, lui montre nous, dans son importance femme, dans le rôle, lui fait nous sentir que son nécessité pour l'homme apprenne à féliciter, madame. Tout à fait. Et de nos jours, nous, en pile garçon, il y a plus fait utiliser un usage
abusif, au lieu que féliciter madame fait ce qu'il pour nous bon. Nous avons une obligation qui trouve tendance à répondre des reproches. Au lieu que vous félicitez madame. Nous avons l'homme qui a fait erreur. Mais mes amis, nous devons apprendre à féliciter madame pour ça. Il fait. Ce n'est pas par cause de félicitations, il va plus lui. Parce que Malbao, parce que un, il prend soin. Deux, il fait tout le monde. Il fait 9 mois avec tout le monde. Pas vrai, c'est vrai. Non, dépendamment de qui vous êtes. Oui, c'est oui, dépendamment de qui vous êtes. Mais généralement, c'est 9 mois. Okay. Non, 9 mois pour porter le petit canard et puis pour aller et puis le fini. Ça fait 18 mois. Voilà. Et puis, qu'on y a pour lui faire manger, pour pas sortir le nom, pour le changer, coucher, pour faire un paquet de bagages. Pour éduquer lui, pour rester parfois papa comme pas là, papa obligé à travailler, c'est maman qui a veillé sur ce monde pour ne pas dégringoler. Alors, il y a un problème de pays, tout le monde, c'est un soutien. Parce que, c'est surtout haïtien, c'est surtout les garçons haïtiens qui parlent de félicité. Oui. Alors, je me dis alors, pourquoi je viens quelques graines, oui? Mais en majorité, on vient de garçons haïtiens qui parlent de félicité. C'est un peu plus haïtien, même. Ce bon étranger, même si par contre on lui là-haut. Vous êtes jolie, madame. Vous êtes étranger, on lui me félicite même. Comme si c'est dans nous-mêmes, même nature, nous-mêmes. C'est comme si ça ne fait pas partie de notre culture. Oui, exactement. Voilà, voilà, c'est là. Et là, on félicite le monde. Et il y a un homme. Quand on haïtien, on félicite le monde. Vous devez être belle. Et pas pour ça, vous devez être belle. Mais les mois comme ça, dans nos oui. Moi, je voulais. C'est moi, je voulais ajouter deux choses. Première, là, c'est que moi, je voulais conseiller avec toute Marie Captain de Noël. Des bagages, lorsqu'on ne fait pas pour madame, on a une possibilité pour l'autre monde faire pour. Si madame finit à billet, belle, on ne pas féliciter pour encourager pour dire, chérie, je vous dis, très belle, eh bien, on l'autre monde a dit ça dans le plateau et qui a fait une mauvaise répercussion. Ça, c'est un conseil. Disons, là, je dois apprendre à féliciter madame. Ce n'est pas seulement lorsque l'y habille, mais peu importe ça, le fait qu'il est bon, je dois féliciter. Et l'autre bagage que vous voulez dire également, ça peut arriver que le monde a fait un bagage qui révolte la conscience. Côté que vous t'avez reproché. Mais il y a une méthode, moi apprendre et m'utiliser, qui bon moi de bons résultats. À chaque fois que vous avez reproché au monde, faites en sorte que vous voyez 5 choses pour féliciter la gagne. Et ceci, le reproche là, c'est comme si vous adoucissez, vous vivez mini, disons, l'impact pour le faire, l'est pas faire. Disons, ma reprend. Avant que vous reprochez au monde, eh bien, faites en sorte que vous jouez au moins 5 bagailles que vous devez féliciter la terre. Eh bien, ce pas votre temps, propose, maintenant. Maintenant, tout seul. Et nos deux tours, et Pasteur Wilson, c'est Rémi. Je ne sais pas si c'est important, parce que je vais continuer avec l'issue. Mais je vais parler de l'importance qu'il y a pour que monsieur apprenne à féliciter madame. Et je vais parler de quelques raisons de faire féliciter. Et ce remédier fait une intervention importante, extraordinaire, parce qu'elle t'a montré que c'est la nature, l'homme haïtien même qui paraît même féliciter. Mais on est tout bien fuit tout. L'homme félicité. Au lieu de dire merci, monsieur, eh bien, il y a un mauvais mot. Il y a un fils qui a félicité, il doit se dormir. Ça passe là. Quand on sort. Et qui résout qu'a fait ça, Pasteur Wilson? Résout qu'a fait ça, Pasteur Harry, c'est si vous n'avez pas jamais habitué tant de ça. Et puis, un bon matin, on le dit, c'est normal, la mal digérer. Mais si. Ou faire de ça, yon habitude, la fini par
réaliser ça, familier la caille, familier avec lui, lui familiariser ensemble avec lui, moi sûr et certain, il n'y a pas pour rejeter d'un revers de main lorsqu'on continue ou bien lorsqu'on dit ça. Ah, et si vous pouvez nous féliciter de nous dire que ça passe au tableau, non? Dis-le à nous, Charles. Vous êtes toujours même bagaille là. Bon, on est capable de dire ça, vraiment. Mais si nous avons dit ça, je pense que nous avons fait mon. Comprendre que c'est mon devoir pour me féliciter ou peut-être que je ne vais pas faire ça avant. Mais qu'on y a, je t'ai aimé que ou pardonne le fait que je ne vais pas faire ça avant et je t'ai aimé que ou bah il va leur accomplir que ça que me fait au lent et je t'ai aimé continuer faire de temps à autre. Donc pense que ça m'a servi sans te dire était important. Guinoua c'est parce que ça que fait mon ça c'est Guinoua c'est parce que il pas ou mon mari va jamais dire qu'on a habitué dit ça et puis l'homme vient dire ça il comme si ouais, comme, son si, comme si non gué mon nom et pas que ouais son bouquet étrange j'ai pas vu passer comme si dans les deux pour lui même c'est moi qui ai besoin moquer oh ok c'est moi qui ai besoin moquer parce que ou bon l'icône plus belle que j'ai mis là aujourd'hui hein pas jamais dire ça donc c'est comme si tu avais passé là passé exactement comprends donc gué nous a sacré mon nom ça et bien mesdames. Si nous avons marié nous, commencez, pas vous et l'un va attraper, pas dire l'excuse de l'humilité, pas dire qu'il y a un biseau de fer qui fait que vous n'avez pas avec parole ça, mais dis merci chérie, merci, et puis pensez que ça, mais il y a une consacre, une garçon qui doit dire consacre, je vais demander pour me féliciter, pour me féliciter, et fille, elle aime qu'on a mis et fille, pour me féliciter. Oui, ça change votre ah, ça change votre bon, c'est une de féliciter là, vous l'avez fait. Oui, une de féliciter là. Mais, à souligner que femme pas la même sensibilité avec garçon. Garçon, il doit ça pas faire en rien le fait que l'habiller ou on fait pas féliciter. Garçon plus bas importance avec le t'es accompli en tâche. Il besoin de félicitations là. Par exemple, je vais message à mon chéri. Je vais te poser l'action. Oui, je vais te poser de l'action. Monsieur, vous vous sentez honoré par bagaille ça. Ça veut dire sensibilité. Tout garçon à forme n'a pas presque même côté. Non, je ne vais pas penser là. Sérémi, je vais complètement rejoindre nous. Et je vais prendre un exemple sur tête. Moi, pendant madame, moi qui a écouté actuellement, c'est sûr que ça va dire la bruit. Des fois, on sacrifie tête au bracal. Soit pour faire un petit nettoyage, soit pour faire une action ou qui mérite fait. C'est comme si c'était rien de terre. Ça, les connes un petit peu. Ça, m'accepter parce que nous, vraiment, garçons, lorsque nous accomplissons une tâche, que on voit visuellement, ouais.